Et voilà, qu'il s'élance à l'instant pour cette 5e épreuve, le prix à cette course avec Eugène Grandvilliers, Julien et Vallon qui ont pris le large, celui de coup de cœur, et Gaston Marianne, Kyrène, Vieux Fils Patrick qui a marqué un temps d'arrêt au départ, est en train de les raccompagner. Ils débutent dans le premier tournant. Avec toujours Jubilé des Vallons, Gilles Grandvilliers toujours en tête, coup de cœur et Gaston Merienne dans cet ordre, Kyrène, Vio et Easy Nice qui ferment la marche pendant que Jubilé des Vallons est en train de prendre l'avantage. Elle est à 15-20 longueurs d'avance sur les deux concurrents alors qu'ils abordent à l'instant la ligne opposée. Izinax qui ferme la marche, coup de cœur suivi de Jubilé des Vallons qui est devant. Jubilé des Vallons qui continue à avancer. Voilà, Kyrène Vio qui marque un temps d'attente et qui se décale et qui avance sur coup de cœur. Kyrène Vio qui est donc deuxième avec Easy Nice et qui est en train d'avancer et qui se retrouve à la même hauteur que Jubilé des Vallons et Eugène Grandvilliers. Easy Nice qui a pris en la tête du parcours alors qu'ils sont en train de se resserrer dans le dernier tournant. Easy Nice, Jubilé des Vallons, coup de cœur qui sont à quelques longueurs d'écart. Kyrène Vio qui continue à maintenir son avantage. Jubilé des Vallons derrière. Gaston Merienne est en train de venir à l'intérieur au côté de Jubilé des Vallons. Kyrène Vio qui continue à avancer. Ils habitent la ligne droite d'en face. Kyrène Vio qui compte maintenant 4 longueurs d'avance. Gaston Merienne à l'intérieur essaye de venir accrocher à deuxième place au côté de Jubilé des Vallons. Kyrène Vio qui se détache au bras et qui va remporter plaisamment cette épreuve. Gaston Merienne qui essaye de garder, de conserver sa deuxième place. Deuxième place conservée pour...